Ah, on va avoir une nouvelle petite arme avec ce boss là. Par contre, il peut faire mal. J'en suis sûr et certain qu'il y a moyen qu'il fasse très mal. Qu'est-ce que je disais? Je le savais. Il fait énormément de dégâts. Bah alors, tu vas le lancer, ouais. Ah, c'est con que j'ai pas réussi à lui en lancer plus que ça dessus parce qu'elles font beaucoup de dégâts ces haches. Heureusement qu'ils sont vraiment facilement feintables, les boss, du fait de leur grosse taille en règle générale. Le jour où ils feront un boss qui pourra se faufiler à plein d'endroits et qui sera très puissant, là on sera dans la merde. Mais sinon c'est pas trop compliqué. Allez, bah, il va mourir au bout d'un moment. Allez, vas-y, crève. Il a pas mal de vie pour le coup. Et c'est re le jour. Ça, c'est une bonne chose. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous loot? Un marteau, apparemment. Il est où? 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 Où est-il? Ce marteau. Ah, il doit être ouais, dans ma barre. Ouais, alors, il fait très mal. Mais il est très lent. Mais ils sont chiants de m'envoyer des armes qui sont tous plus lentes les unes que les autres. Parce que sinon, ouais, il fait 121 de dégâts par coup. Voilà, c'est méchant. Non, ils sont très lents. C'est ça mon problème. Attends, ici, il y a des pixels. Ok, ils sont là comme ça. C'est un peu chiant. Hein. Bref, je continue mon exploration. On fait le tour de la planète jusqu'à revenir à Albarak. Voilà, là, ça aurait été cool. Ah, mais il one shot les ennemis. Ok, d'accord, il est comme ça, lui. Il est violent. Ah, bah, même pas besoin de rentrer à la maison parce qu'il y a un petit bunker. Vas-y, ouvre-nous. Sésame. Ouvre-toi, et ben en fait il est très inutile. Quand je dis très inutile, c'est il est. Voilà, c'est le comble de l'inutilité. Hop, toi tu meurs, y a pas un truc en dessous. Juste. Non, j'avais vu un trou, mais c'est juste une grotte normale. Vous êtes gentil, mais je vous tue quand même. Parce que voilà, vu que je joue one shot, rien à battre. Mais c'est vrai que pour remettre les ennemis à 20% de leur vie, ça va être un petit peu chiant. Même très chiant d'ailleurs. Très très chiant. Ah bah il y a un coffre. Un petit coffre. Ouais, donc j'ai aussi. Oh, un autre. Non, il est aussi lent. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est le même. 95, 121. Non, il fait 87. C'est presque le même. Sauf que lui c'est du poison, l'autre c'est le feu. Mais ils sont tous les deux aussi lents, quoi. Ils sont chiants, ils sont chiants. Et on va prendre le coffre. Bon, du coup, bah voilà, je vais me mettre sur pause et l'enregistrement. Et je vous reprends juste après. Pause, j'ai dit. Bon, bah en fait, j'ai fait 2 mètres et c'est bon, plus besoin de pause. Je crois qu'on l'a déjà exploré, ce bunker. Ouais, regardez, il n'y a plus rien dans le coffre. Ouais, bah c'est tout, on l'a exploré. On a fait tout ce qu'on avait à faire sur cette planète, à la surface du moins. Mais là, je commence à avoir un problème, un souci au niveau du fer. C'est-à-dire que j'ai quasiment plus de fer. Pourquoi? Eh ben parce que... Je sais pas, j'en trouve pas sur cette planète. Je sais pas si sur les planètes de ce secteur, il y a moyen d'en trouver, tout simplement. Je ne sais pas du tout. Bref, on va recrafter des capsules. Capsule, capsule. Hop. Alors, j'ai besoin de
de style, c'est ça. Chercher le nom. Style, on va en faire 16. Pour pouvoir se faire 2 capsules pod. Hop, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là, mon inventaire est déjà quasi plein. C'est impressionnant. Alors, on va trouver un petit monstre à capturer, ce serait cool. Mais on va pas y aller avec cette arme là parce que elle est trop puissante. On va y aller avec celle-là. Alors toi, toi. Je l'ai tué. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Je fais trop mal pour ces pauvres bêtes. Alors, il en reste plus qu'un. Bah, attaquez-moi, ils sont cons, ils sont bloqués ou... Il est un peu bugué. Regardez. Ou alors il fuit. Il est bugué en train de mourir lui. Les deux sont quasiment rien. Alors hop. Non, plus bas. Mud filled capture pod. Oh, ça c'est cool. Donc on en a un rempli. Throw it. Who knows what will happen. Meurs toi. Il a totalement bugué lui. Donc c'est bon, on a un petit monstre. On va voir un peu ce que ça donne. Est-ce que je peux le lancer? Hop, on va fermer les portes. Juste histoire de d'être sûr qu'il se casse pas. Non, je me suis fermé la porte dessus, c'est peut-être pas la meilleure solution qui soit. Alors. Et on a un familier. Si ça, c'est pas génial. Bon, c'est bon, on a une petite bébête. Ça, c'est cool. Ça, c'est génial. Bon, on va ranger un peu tout le bordel que j'ai fait. Hop. J'aurais besoin, s'il vous plaît. De ça. Voilà. On va savoir pourquoi il veut pas en mettre ici. Non, on se calme. Je veux rien casser. Toi, tu vas te péter. Toi, par contre, ici. Toi, tu vas dégager la lampe. Pas grave, j'ai tout cassé, bon, on s'en fout. Vas-y, hop. On va poser les coffres que j'ai ramenés de mes expéditions. Les mieux, c'est quand même ceux-là. J'adore l'animation quand ils s'ouvrent. Elle est tellement dégueulasse. Mais j'adore. Ensuite, j'ai des high-tech, mais j'en ai des différents. Ok, bon, bah c'est pas grave, de toute façon, on peut tous les placer, je suppose. C'est nickel. Donc je pense qu'on a assez de storage pour le coup. Oh. Et je vais trier un peu puis on se retrouve après. Et je suis content, on a un familier, bordel de merde. Je vous retrouve dans le vaisseau pour tester la tech que j'ai trouvé qui s'appelle Butterfly Boost. Alors je sais pas trop à quoi elle va servir. Mais bon, on va bien voir. Est-ce que je peux genre m'envoler? Non. Comment est-ce que j'utilise Butterfly Boost? Non, pas comme ça. Oh, my supposed to do. Press and hold jump. Elle doit pas être activée bien. Parce qu'ils nous disent d'appuyer et de maintenir la touche de saut. Tech. Là. Non, il veut pas. Il a vraiment pas envie en fait hein. Non, il veut pas que les choses marchent comme il faut. Ah si, c'est comme ça. Ah, c'est trop bien. Excellent. Ça
Ça, c'est pas mal. Mais ce serait cool si on pouvait utiliser toutes les techs. Eh ben... Oh non, c'est bon, j'ai eu peur. Il meurt pas, en fait. Il meurt pas définitivement. Ok. Qu'est-ce que je pourrais mettre ici? Parce que... J'en ai marre d'avoir un emplacement vide où il y a plein de trucs qui viennent se glisser. On va mettre ce qui me reste des bandages. Que où j'ai des toutes petites blessures. Regardez ce que ça fait en fait. C'est excellent. Même si on peut pas sauter bien haut du coup. Avec ça, mais c'est pas grave. On s'en fout parce qu'on peut aller super loin. Hop. Et j'ai envie de vous montrer du coup. Regardez. C'est excellent. Mais bon, c'est plus pratique le jump boost. Parce que vous allez voir que ça, ça va plus nous être indispensable. Vous allez voir pourquoi. Tech, on va prendre le pulse jump. Parce que c'est quand même le plus pratique. Et ce que je voulais vous montrer. C'est le mouchet, c'est... Non, c'est pas ça. Où est-ce qu'il est? Il est là-dedans, je crois. De quoi on a besoin pour faire Skyral Rider? Mais non, mais j'ai peur, en fait, que si je l'utilise... En fait, j'ai peur que ça remplace le double jump, justement. J'ai pas envie, donc ouais, on va peut-être pas faire ça tout de suite. Pour faire le prochain boss, de quoi est-ce que j'ai besoin? Non, c'est pas là-dedans, c'est là. J'ai besoin de 700 pixels et de 40 du Rastil Bar. Bon, bah écoutez, je crois qu'on peut, on peut tenter le coup, hein. 40 pixels. Enfin, j'ai besoin de quelques pixels, plutôt. Ça donne combien de pixels? 5 pixels, c'est génial. Ouhou, trop bien. Bref. Hop. C'est bon, il est mort. Merci la bébête. Alors, ouais. J'ai besoin de 40 Durastil Bar maintenant. Durastil. J'ai besoin de 40, j'ai assez. 40. Hop. Peanut butter. On va attendre le jour, hein, si ça vous dérange pas, parce que voilà, j'ai pas envie vraiment de, j'ai pas vraiment envie de, d'affronter une l'endomorphique Jelly, je crois elle s'appelle, ou un truc du genre, sur un terrain, sur deux nuits tout simplement, parce que voilà, c'est pas, déjà je suis pas très doué, quasiment aussi peu doué que l'IA de notre ami vert. Donc je vais faire une pause le temps que le jour arrive et on se retrouvera après. Le jour se lève, il est temps de ramener, enfin de voilà quoi. Oh. Alors on va déjà commencer par se planquer parce que le planquage c'est la vie, surtout avec les boss de jeu. Alors là, il y a juste l'œil qui m'a. qui m'a vu. Ouf. Faudrait peut-être que j'essaie de me protéger un minimum. Voilà. Est-ce que je peux le toucher, genre comme ça? Non, je peux pas. Mais si, il doit y avoir moyen. Comme ça. Par contre, ouais, il attaque avec ses tentacules, il fait chier lui un peu. Hein. Pourquoi est-ce que ça me fait des dégâts quand je l'attaque? En plus, ouais, il fait mal mon marteau, donc c'est un peu chiant, quoi. Un peu beaucoup.
Mais il fait chier lui. Oh. J'ai du bol de... qui me touche pas là. Ouais là on lui fait mal, là on lui fait bien mal. C'est vrai que dans Terraria ils avaient pas ce problème parce que les boss pouvaient traverser les murs. Donc forcément c'était... c'était pas la même histoire quoi. En fait on va le finir ultra vite. Ce qui est normal avec le marteau que j'ai. C'est bon il est mort. On va détruire lui là. Parce qu'il est chiant. Surtout que son maître est mort alors je vois pas pourquoi il reste. Hop. Hop. C'est bon. C'est bon. On les a battus. Et on loot le Endomorphic Jelly. Ce qui veut dire, moi je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je croyais que j'avais déplacé mon stuff. Ce qui veut dire que on peut se crafter, enfin en théorie, parce que je suppose que je vais pas avoir assez de pixels. Le MK grade MK5. Où est-ce qu'il est? MK. Non, il est pas là. Peut être là. MK. Non. Mais je l'avais vu. Il est bien quelque part. Je crois qu'il est... je suis quasiment sûr. Ça doit pas être un upgrade MK quelque chose. Attends, on va taper upgrade. Voilà. Durasteel Tech Upgrade. Ah, il me faut juste 40 Durasteel Bar. C'est pas très compliqué à crafter. J'ai combien de charbon? Ça aurait été trop facile. Donc ça correspond. Putain, j'ai des trucs qui cuisent ici. Pas rien. Non, ça correspond à 400 de bois. Bon, j'ai de quoi, hein, donc on va se les faire. Écoutez, j'ai pas vraiment envie d'aller miner. On va se départager les trucs. Hop, ça ira légèrement plus vite. Allez, bouge-toi un peu. Ça fait déjà 20. Et on a les 40. C'est bon. Et on peut se faire notre grade. Non, d'abord on doit faire du Durasteel. Durasteel, Durasteel. Il est là, je suis con moi dans ma tête. Hein. Hop, 40. C'est bon. Et maintenant, on se fait cet upgrade qui va nous amener, je crois, au secteur X. Si c'est là, c'est bien là. Upgrade, Durasteel Tech Upgrade. Hop là. On va voir un peu. Allez, on se TP en haut. On va l'activer d'ailleurs, ce serait peut-être pratique. The Sector X. Haha. Je sais pas si j'ai assez de fuel. Sector X. On va aller en 666. 666. Est-ce que j'en ai une? J'ai Delta Or. Elle est bien au milieu elle? Non, pas au milieu. Attendez, c'est la plus au milieu que je peux trouver. Oh, Asteroid Fill. Ça c'est excellent. Par contre, je crois qu'il faut des armures spéciales pour y aller depuis la nouvelle mise à jour. C'est bon, j'ai assez. Ouais, il me reste 3 de fuel. Excellent. Donc je suppose qu'on peut se warp home. Je sais pas comment ça marche. Je pense pas que ça réutilise du fuel, hein, ce serait un peu con. Mais je crois qu'il faut des... Je suis quasiment sûr qu'il faille des... Ah!
des armures spéciales. Des casques spéciaux, je crois que c'est les sortes de casques de Dark Vador là, que vous aviez vu. On va virer le Matter Manipulator parce que j'en ai déjà un. Enfin bref, j'ai plein de trucs inutiles. Hop là. C'est bon, on est arrivé. Alors je suppose qu'on va pas tarder à... On va avoir une sorte de jauge d'oxygène. À quoi ça ressemble? Ça doit être génial. Warp to planet. Oh, c'est excellent. Bon, si on peut y aller sans problème. Et il y a des trucs verts là, je crois c'est du titanium ou un truc du genre. Ça doit être ça. Je sais plus. Par contre, ouais, il fait froid. C'est pas très grave, on a juste à poser quelques torches, puis c'est bon, on a plus de problème. Uranium. Ok, c'est génial, mais je sais pas à quoi ça sert. Est-ce qu'on peut tomber dans le vide, genre, comme des gros boulets? Je pense qu'il y a moyen. Je suis quasiment sûr qu'il y a moyen. Ah ouais, ouais, il y a une jauge d'oxygène. Il y a une jauge d'oxygène, j'en étais quasi sûr. Je vais voir ce qu'il faut pour... Bah, de toute façon, je dois vous laisser, moi. J'ai fait assez de temps de vidéo, donc on se retrouve pour le prochain épisode pour explorer un peu plus en détail ce champ d'astéroïdes.